Et on a épargné avec mon copain dans nos enveloppes budget en 2022. Ben, c'est l'heure de découvrir le résultat ensemble. La grosse bonne surprise de cette année, c'est cette enveloppe chauffage dans laquelle on a épargné 550 euros, mais qu'on n'aura pas utilisé d'ici notre déménagement. Donc, ces 550 euros arrivent en pur bonus d'épargne, et ça, c'est trop cool, et je vais les transférer dans notre épargne générale. Dans l'enveloppe vétérinaire, on n'a plus rien parce que j'ai dû tout utiliser en décembre pour mes petits chats. Du coup, on repart de zéro ici. Dans le fonds d'urgence, j'ai réussi à mettre 590 euros en 2022 et franchement, c'est déjà pas mal. À ça vont s'ajouter les 360 euros de mes défis, ce qui veut dire qu'on aura bientôt atteint le premier objectif de 1000 euros que je me suis fixé. Et enfin, l'enveloppe maison, j'ai 30 euros seulement, mais parce qu'elle est récente, et comme c'est une enveloppe glissante, je vais laisser l'argent dans l'enveloppe. Ce qui nous fait un total épargné de 1170 euros pour notre compte commun, et c'est vraiment top, franchement. Alors, tout cet argent, sauf celui de l'enveloppe maison, va repartir en banque, et ici, je vais me servir de mon tracker Mes épargnes d'un coup d'œil pour distinguer quel montant correspond à quoi. Je vous l'avais dit, c'est dans ce cas-là que ce tracker va devenir super pratique. Je vous fais des bisous!